Eh bien salut à tous et bienvenue dans le mode franchise sur NHL 19, épisode numéro 4. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec les San Jose Sharks, voilà, pour cette première saison en mode franchise. Bienvenue, bienvenue. Donc bon, on traîne pas trop. On va attaquer tout de suite le quatrième match de pré-saison. Juste, je vais regarder un petit peu où ça en est niveau. Contrat bientôt terminé, 11. Voir contrat. Salaire total. Plafond salarial, défense, dépenses prévues, marge, j'ai 20 millions. D'accord, je peux encore. Ouais. Et j'ai encore de la marge. Alors, je crois que je vais vous faire des contrats, mais je sais pas s'ils ont été renouvelés ou pas. Savoir parce que je crois que celui-là j'avais. Il a pas renouvelé. Va être prolongé. Non. C'est sur 6 ans ou c'est sur. C'est ça, je comprends pas en fait. On va faire 6 millions, tiens. Ça fait 1 million de dollars par an, c'est quand même. Ça va quoi, je veux dire. Ça va quoi, je veux dire. Je ne suis pas intéressé par une promotion, mais je vais quand même réfléchir avec ma famille. D'accord. Lui. 4 000. Bah lui, c'est plus raisonnable déjà. On va pas discuter en fait, lui. Je vais prendre quelques jours pour afficher la promotion, mais si une progression ne m'excite pas. Ok. Bon, alors le problème c'est que c'est les deux seuls joueurs que je voulais prolonger et que. D'accord, enfin qu'il fallait que je prolonge. Lui, 74, bof. Ouais, éventuellement, on peut essayer. 23 ans. Il y avait que deux joueurs qui m'intéressaient en fait où je pouvais. Le problème c'est que. Enfin, où je voulais prolonger, le problème c'est que visiblement ils veulent pas. Le reste on va toucher à rien. Qu'est-ce que je fais là? Attendez, retour. C'est n'importe quoi, je quitte pas. Allez, on y va pour ce match. Pour le quatrième match. On verra un petit peu si les joueurs prolongent là. De toute façon, on va avoir une année pour les convaincre. Je pense que ça va dépendre aussi de nos résultats en fait. Donc, c'est à nous de faire des résultats. Et pour pouvoir les convaincre de rester. Voilà, donc c'est parti pour ce match. Quatrième match, on joue contre Calgary. Calgary, c'est une équipe toujours difficile à jouer. Enfin, ça dépend des moments en fait. Des fois, Calgary ça va, des fois c'est plus complexe. Tout dépend de leur état de forme. Les Flames, c'est toujours une équipe. Oh voilà, ils ont fait 3 défaites pour l'instant. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Donc,
Et le gardien, il reste sur 4 buts encaissés. Donc ça, c'est bien pour nous aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, note 4,50, donc c'est pas beaucoup mieux, vous me direz. On va essayer de faire en sorte d'encaisser moins de 4 buts aujourd'hui, c'est l'objectif. Hein. C'est vraiment l'objectif. Décidément. Ah, dommage. Allez, 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 allez. Ah, dommage, 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 dommage. Alors, on a pris le match, ça va pour l'instant. Eh ouais, déjà une pénalité. Ah ouais, ça commence, ça commence. Ça commence. Sinon, c'est pas une partie normale. Si j'ai pas de pénalité, c'est pas normal. Ah, évidemment, je tire sur un défenseur, sur un attaquant de des Calgary, des Flames. Ouf, on va finir par se prendre un but, ça continue. Voilà, on calme le jeu. Hein. On calme le jeu. Ils nous mettent la pression, là c'est normal, on est en infériorité numérique. Il faut arriver à s'en dépêtrer. Ah mais c'est pas vrai! Oh, heureusement. C'est quoi cette erreur à la monumentale là? Ah mais non, c'est mon propre joueur qui bloque le palais. Fallait le laisser partir le palais. Voilà, c'est ça que je veux voir. Hop là, on dégage, on se pose pas de questions. Il reste une minute, faut tenir. Ah, dommage. Il reste 30 secondes. Allez, faut tenir, faut tenir. Pour l'instant, on tue la pénalité. Oh, mais non, je me joue. C'est mon propre joueur qui bloque mon. Oh là là, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là là, bien joué, gardien. C'est un petit miracle si on n'a pas encore encaissé de but. Hein. Oh là 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 là, c'est vraiment. C'est plus un petit miracle, ça devient un gros miracle là. Ah, dommage. Bon, on a tué la pénalité, c'est très bien. Allez. Eh ouais, mais je me fais contrer. Si je tire pas au bon moment, forcément, ça peut pas passer. Allez. Ah, ça n'arrive pas. L'idée était plutôt pas trop dégueulasse, mais c'est pareil. Décidément, j'ai du mal avec les frappes. Hein. Très maladroit pour l'instant avec les frappes.
là 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 là, c'est pas passé loin. Oh non non, ah bah oui, forcément. La passe dans l'axe, c'est comme au football, hein. La passe dans l'axe, c'est très mauvais. Aïe aïe aïe, ouverture du score de Calgary, c'est un peu logique en même temps. Depuis le début du match, ils nous malmenaient. C'est un petit peu normal. Et alors, ce qui m'inquiète un peu là, c'est que j'arrive pas trop à remporter les mises au jeu. Ça me ressemble pas. D'habitude, je suis plutôt dominateur dans ce domaine, mais là, j'ai du mal. Mais non, c'est quoi cette passe? Je fais n'importe quoi, n'importe quoi. Je suis pas dedans là. Je suis vraiment pas dedans. Enfin, ça change très rapidement, sinon on risque de prendre une déconvenue. Mais ouais, bah oui, forcément, 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 accrochage. Et ça recommence, et ça recommence. C'est un cycle sans fin, cette histoire. Ouais, faut qu'on résiste, qu'on tue cette pénalité. Oh là là, la chance! Le poteau qui nous sauve! Dommage. J'étais beaucoup trop excentré pour inquiéter le gardien. Bien joué ça. Oh, c'est dommage. On va s'en prendre un. Bah oui, forcément, forcément, forcément. Aïe aïe aïe, nous voilà menés 2-0. On continue dans nos errements défensifs, là c'est vraiment notre gros point faible dans ce jeu, la défense. On est incapable de défendre, incapable de ne pas encaisser le but. Deux buts déjà encaissés en 10 minutes. Allez, allez. Oh, dommage. Oh, ça passe au-dessus.
Ah là là. C'est chaud. Hein. On est plus proche du 3-0 que du 2-1, j'ai l'impression quand même. Ah, une... bah oui, évidemment, accrochage quand même là, quand même. Un petit peu en notre faveur. Bon allez, faut en profiter. Faut en profiter, on en a en supériorité numérique. Faut les faire souffrir pour qu'ils craquent et qu'on marque un but. Oh, je rate le palais. Oh, je le rate. C'est pas vrai. Allez, on a encore du temps. Ne nous précipitons pas. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Oh, oh mais c'est mon propre joueur qui bloque là. Ça compte 3. Nouvelle pénalité pour eux. Je sens qu'on est à 5 contre 3 là. Ouais. On n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant. Forcément, ils se posent pas de questions, cette bonne guerre. Ils dégagent comme ils peuvent. Oh, je tire au-dessus! Il reste 1 minute. Allez, il faut en profiter là parce que c'est le moment de marquer. C'est vraiment le moment de marquer là. On a arrêté l'hémorragie au niveau des buts en tout cas, c'est déjà ça. Maintenant il faut réussir à les inquiéter en défense. Enfin je veux dire dans leur défense. Ils vont encore se prendre une pénalité. Eh ben ils vont nous rattraper bientôt en pénalité dis donc. Dégagement refusé, Marie. Ça venait de trop loin. Ah non.
Non, 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 c'est pas ce que je vais faire. Toujours 2-0. On les domine assez nettement, mais on n'arrive pas pour l'instant à trouver la faille. Leur gardien, c'est un mur. Non, oh, pénalité contre moi. Ça, là, en plus, c'est même pas moi, là, c'est l'ordinateur qui a fait le geste. Oh! C'était une magnifique erreur de défense de leur part! Et j'ai pas su en profiter, quel dommage! Il reste. Ah bah c'est maintenant, c'est moi qui suis en infériorité numérique. 5 contre 3 maintenant. Ouais. Non, on n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Laisse-les. Recule, recule, recule. Voilà. 5 contre 3, bah ouais, c'est ça. Oh là là là! Elle a été déviée, heureusement. Ça a pas. Voilà. N'y va pas. Ah, qu'est-ce qu'il est con ce joueur. Faut pas y aller, faut rester derrière là. Faut défendre là, c'est tout. Il faut pas chercher à attaquer. Bien joué gardien. Il reste 40 secondes. Bon, notre gardien, il fait une bonne fin de première période. Le début était laborieux, mais là, maintenant, ça va. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je mets jamais de but comme ça. Je mets jamais de but comme ça. Ah là 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 là, 3-0. Ouais, ben, ça promet. À ce rythme-là, ça fait 9-0 à la fin des trois périodes. Va falloir que ça s'arrête. Il va falloir vraiment que je fasse de très 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 gros progrès en défense. Trois buts encaissés, c'est juste beaucoup trop quoi. Et dire qu'il y a encore deux périodes derrière, c'est. En même temps, ce qui veut dire que j'ai aussi encore deux périodes pour remonter le score, mais. C'est quand même questionnant en défense, quoi. Faut vraiment que j'arrive à progresser à ce niveau-là. Intercepte, mais alors juste genre la crosse qui traîne quoi. Ah dommage. Bon, fin de la première période, 3-0 pour eux.
Alors qu'on est à 30 tirs à 14. Et combien? 8 minutes de... Bon, on est autant que en 8 minutes de pénalité. On n'a pas pris tant de pénalité que ça. Mais c'est quand même 8 minutes de trop. C'est quand même encore ça qui nous fait perdre. On se prend... J'ai vu qu'on s'était pris un but en infériorité numérique. Donc 1 ou 2, je pense. Évidemment trop tôt. Dommage. Je fais ça, ça m'énerve au possible. Oh là 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 là. Ouais, forcément, ouais, j'arrive à m'en sortir quand même. Je mets une praline, mais le problème c'est que c'est complètement hors cadre. Ouais. Allez, faut en profiter, là on est en supériorité numérique, on a encore 58 secondes devant nous là. Faut réussir à tout prix à réduire le score pour pouvoir un petit peu les faire douter. Ouais. Bon, heureusement, c'est du match qui coûte pour un peu pour du beurre, donc c'est pas très grave si on perd, même en se prenant beaucoup de buts. Mais c'est pas fait pour nous rassurer pour l'instant à ce niveau-là, au niveau notamment de la défense. Si on se comporte comme ça pendant le championnat, ça va être compliqué. Oh là 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 là, je me fais contrer. Ah bah j'ai cassé mon bâton carrément. Ah, il la rate. Oh, bien joué. Bien joué, parce que là... Ah. Oh, le palais qui passe devant le but, mais il n'y a personne pour reprendre. Ah non, mauvais retournement là. Il aurait pas fallu que je me retourne. On n'a pas.
pas su profiter de cette infériorité numérique. C'est dramatique. Wow, 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 wow. Ah, si j'avais voulu, je pouvais déclencher une bagarre là. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Allez, on se dégage. Ah, dommage. Malgré le relâchement du gardien, on n'a pas su en profiter. Oh, que c'est bien joué. Oh, que c'était bien joué. Heureusement, c'était pas le gardien a su dévier. Pfff. Allez, 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 contre-attaque. Ouais, y a personne derrière. Allez, 3 contre 3. Ouais, dommage. Faudrait au moins que je mette un but. Si j'arrive à mettre un but, je me relance. On se relance dans le match. Oh non, pas lui, pas lui. Il fallait mettre encore derrière. Oh non, je lui remets dans les... Oh là 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 là. Je lui remets pile dans sa crosse, quoi. Je pouvais pas faire une pire passe que celle-là. Ok, allez, on y va. 3 contre 4. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, hors jeu. Ah non, je tire à côté. C'est à côté. J'ai du mal à... Avec la finition aujourd'hui. Ce qui n'est pas sans poser de problème, surtout quand on a une mauvaise défense. Forcément, ça se joue au score. Bah oui. Je me disais bien aussi quand même, c'était... J'étais gêné là. Allez, faut en profiter. Supériorité numérique pour nous. J'aurais peut-être dû temporiser, j'avais un peu de temps. J'étais pas attaqué. Ah, il reste 10 minutes dans cette première période. 11 minutes 10 exactement dans cette deuxième période. Ouais, forcément, forcément, les Calgary, ils se dégagent comme ils peuvent. Je cherche pas à comprendre.
j'avais le patin. Le patin. Les rondelles dans les patins. J'aurais pu le pousser dans le but. Je l'ai pas fait. Ah merde. Fausse manip. Forcément, je perds la mise au jeu. On reste dans leur corps, mais on n'est pas dans, on est stérile pour l'instant. L'attaque. Pas de but. Pas de but à se mettre sous la dent. Je suis en jeu. Bah ouais. C'est fatal. Allez, on sort de la zone. Ouais, ils vont tuer cette pénalité. Ils auront réussi à tuer cette pénalité. Oh là là, dommage. Dommage. Aïe 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 aïe. Il résiste hein, pour l'instant. Quel gars il résiste. Ah, dommage, dommage! Heureusement. Ouais, ouais, mais forcément, au bout d'un moment, tu perds le palais. Ça, c'est normal, hein. Vouloir le garder. Le mec c'est bien joué, il joue bien. Hein. Oh là là là. Merde. Ouais, moi par contre je joue très mal. Allez. Oh là 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 là, le gardien. Il a fait des miracles là, leur gardien. Ah non. Allez. Oh là 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 là. 4 à 0. Pop 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 pop. Aïe aïe aïe, seigneur, seigneur, seigneur. Sans pitié, hein. Sans pitié, Calgary. Jason Zucker, assisted by number 91.
Eux, ils ont pas besoin de 150 000 occasions hein, pour mettre des buts. Hein. Ils arrivent à placer une attaque, ça fait but, hein, c'est tout. C'est ça qu'il faut que j'arrive à travailler. Je sais pas comment j'ai fait pour pas encaisser le cinquième but. Je ne sais pas. À moins qu'on arrive à vraiment inverser le cours des choses en troisième période, donc je vois pas comment on peut inscrire un but et remporter ce match. Hein. Et encore moins remporter ce match, effectivement. Ça va être difficile. Donc tant que leur gardien c'est une muraille. Ouais ouais, penalty, bah ouais. Et on va encore souffrir pendant 2 minutes. Ah, dommage. Il reste 1 minute dans cette période, dans cette deuxième période. Allez. Dommage. Attention, bon, ça va, il cadre pas, heureusement. Et il reste 10 secondes, c'est pas le moment d'encaisser un cinquième but. Pas maintenant. Ce serait très mal choisi. Ouais, fin de la deuxième période, 4 à 0, ils ont remis un but. Bon, on a encaissé moins qu'en première, si on peut se... se consoler comme on peut. Et on a moins mine de pénalité qu'eux, ils sont à 14, on est à 10. Ça aussi on peut se consoler avec ça, mais il n'y a pas d'autre chose, je vois pas d'autre chose pour se consoler. Alors là je vois, je regarde les stats, pas 76%, c'est peut-être ça ce qui nous fait perdre sur ce match. On n'arrive pas à bien communiquer entre les joueurs au niveau des passes. C'est vrai que ça peut s'expliquer comme ça, le score actuel. Allez, 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 on récupère. Bon, le tir est pas assez puissant pour inquiéter le gardien. Dernière période. 4 buts à remonter. Ça paraît difficile. Après, si on en met un ou deux rapidement, pourquoi pas. Hein.
Eh ouais. J'ai cru que c'était rentré. À mettre un but. Allez. Fallait qu'il passe pas. Allez, 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 allez. Je tire encore à côté, j'ai du mal, hein. J'arrive pas à cadrer mes frappes. Pourtant, on peut pas dire que j'ai une mauvaise attaque, hein. J'ai des bons joueurs. Allez, allez, allez. Zéro, 13 minutes. Allez, ah non. Oh non, 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 je suis pas d'accord là, je suis pas d'accord. Oh non, je m'en allais en contre-attaque. Aïe, 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 nous allons en faire utiliser les numériques. Oh ouais, c'est ça, je dis bien. Allez, faut revenir, faut revenir, faut revenir. Pour pas les laisser tirer, bien joué gardien. Ils sauvent encore une fois la baraque. Franchement, même s'ils s'en est pris 4, le gardien, je peux pas lui en vouloir parce qu'il s'est pris tellement de tirs dans la tronche. Donc 4 contre 4. Allez, faut essayer d'en mettre un là, c'est le moment. Pourtant, au niveau mise au jeu, on est plutôt bon. Hein. On le domine outrageusement. Trop
trop sur le gardien là, je tire trop sur le gardien, c'est sûr que là ça peut faire que dans la si je tire trop dessus je peux pas mettre le but, ça c'est sûr. En même temps, c'est sûr qu'il fait un bon match le gardien de Calgary, il n'y a pas de doute. Oh non! Allez, on ressort, on revient. Oh non, j'ai l'occasion de là, mais je tire au... Je cadre pas assez bien et du coup, le gardien qui prend le palais dans sa mitaine. Sans problème. Là, je touche le poteau, mais c'était beaucoup trop excentré pour que ça rentre. C'était un... Pas un poteau, comment dire, prometteur. Un poteau un peu de dépit. Oh là là. Oh non. Oh là 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 là. Au moment où je fais la passe, je me fais reprendre. C'est pas possible. Ouais, mais je suis à l'envers. Je tire à l'envers. Je vais pas. Oh, il me soutire le palais juste au moment où j'allais le récupérer. Une fois à côté pour changer. Il fait pas de sentiment l'ordinateur. Il fait pas de sentiment. S'il peut m'en mettre un cinquième, il va m'en mettre un cinquième. Ça c'est sûr et certain. En même temps, un ordinateur n'a jamais fait de sentiment et n'en fera jamais. Alors, oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Ça se joue à rien là. Ça se joue à rien. J'aimerais bien au moins mettre un but pour sauver l'honneur. Pour dire que voilà, on arrive à inscrire un but. Oh non, je rate le. Je rate ma passe. Ah, il reste 6 minutes dans cette 3ème période. Allez, il faudrait au moins mettre un but. Au moins un petit but. Au moins ça. En essayant de pas s'en prendre un. Ouais. Là, regardez, il aura sorti vraiment un gros match. Il n'y a pas à dire.
non, non, non. Je vais rester muet sur cette partie, je le sens bien. Notre attaque va... Ah mince. Notre attaque va rester muette. Et Calgary va pas nous faire de cadeau, ça c'est sûr. Allez, allez. Ah, j'ai pas réussi à tirer. Pfff, oh là 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 là. Ah ouais, je suis en jeu. Mais mon dieu que c'est dur. Mon dieu que c'est dur. Ah, 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 ah. Une petite supériorité numérique pour la fin de match. Ça fait plaisir. Même si on n'y croit pas trop, à 4 à 0, ça va pas changer grand chose. Oh, ça passe tout dessus. Oh là 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 là. Le pas à l'équipe. Défenseur qui intercepte au dernier moment. Le gardien qui a vraiment sorti un très 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 gros match. Un match énorme. Je sais pas combien de frappes j'ai fait, mais j'en ai fait un paquet. Je peux vous dire qu'il a tout, il a tout arrêté. En même temps, j'ai pas le sentiment d'avoir fait des frappes bien placées. Mais ce qui n'enlève quand même rien à la performance du gardien. Ouais, ouais, hors-jeu, bah oui. Ah mince, trop tôt. Ouais, je fais n'importe quoi, je vais perdre la mise au jeu, forcément. En faisant n'importe quoi. Allez. Oh! Ah, le délire. C'est bugué. Ouais, ouais, forcément. Le palais qui délire au-dessus du but. Il reste 2 minutes. Toujours 4-0. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas encaissé de but dans cette troisième période. Ça peut encore arriver, vous me direz. Mais la mauvaise, c'est qu'on n'a pas marqué de but non plus. Mais bon, sur le plan défensif, on aurait été un peu plus solide dans cette troisième période. C'est déjà pas mal. J'aimerais m'appuyer vraiment sur un match dans lequel j'encaisse pas de but. Oh là 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 là! D'avoir un match référence en défense. Pour l'instant, j'ai encaissé beaucoup, beaucoup de buts depuis le début de ces matchs de préparation. En moyenne 4. En tout cas, ils nous auront posé beaucoup de problèmes en attaque. On n'a pas réussi à être vraiment dangereux. Ah, dommage. Ouf, 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 ouf. Ah mince, je perds le palais. Allez, mais vas-y. Oh là 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 là, le 58 là. Il regarde le palais, il y va pas. Hallucinant.
Allez, 18 secondes. Une attaque. Ouais, non. Ouais, non, on va perdre ce match. On va pas réussir à marquer de but. Bon, ce sur quoi on peut se raccrocher, c'est qu'on n'a pas encaissé de but dans cette troisième période. Ça, c'est bien. Il faut réussir défensivement à réitérer ce genre de performance. Alors, par contre, 75 tirs, on met 0 but, quoi. C'est quand même un truc de fou. Par contre, on s'est amélioré en minute de pénalité. On a pris 12 minutes. Ça, c'est bien. Mais par contre, on s'en prend quand même 4, quoi. C'est ça le truc. Hein. Donc, et là, je vois 76% de passes. Alors, est-ce que ça vient de ça? Je sais pas. Temps en attaque, vous voyez, ils ont pas beaucoup passé plus de temps que nous en attaque, donc ça veut pas dire. Ça veut pas dire grand chose. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas parce que ils ont passé. Enfin, voilà. Ils ont mis 4 buts, nous, avec quelques secondes de différence, on en met 0. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment inefficace en attaque. Après, je vois Super Italien Miracle, qu'on en a eu 9, on a mis 0 buts. Ils en ont eu 6, ils ont mis 2 buts. Donc vous voyez, c'est aussi les minutes de pénalité qui nous ont fait encaisser des buts. Mise en échec, 14 à 21. Bon, ils ont été plus présents sur le plan physique, on va dire ça comme ça. Mise au jeu gagné, là, 49 à 25 pour nous. Donc là, ça veut dire que bah, bon, là-dessus, ça va. Même si, encore une fois, ça fait pas le résultat, puisque bah, là, vous voyez, on se prend 4 buts. Donc voilà, quoi. C'était un match... ma foi, ouais, c'est instructif quand même. C'est un match instructif. Général A-, attaque B. Jeu d'équipe A+, d'accord. Ouais. Par contre, en défense, il met quoi? Il met A- en me prenant 4 buts. Ouais, je sais pas. ça veut pas dire grand chose cette histoire là, parce que A- en me prenant 4 buts, qu'est-ce que ça fait si tu t'en prends 10? Ouais, je me rends compte, je suis en train de raconter n'importe quoi. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 4. On arrive à la fin, voilà. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le mode franchise sur NHL 19, pour l'épisode numéro 5. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, salut, à la prochaine.